pour dénoncer les suppressions d'emplois et la fermeture du rechapage. Aujourd'hui, les actionnaires, ils vont se partager les millions de bénéfices. Ils vont augmenter les dividendes de 14%. M. Sénard va se faire une augmentation de 450 000 euros de plus. Il va passer à un salaire, une rémunération de 2,4 millions. Et nous, au niveau des salaires, on a droit à 1% au niveau des agents en augmentation générale. Et en moyenne, sur les salaires, ça va de 2,2 à 3%. Et Michelin, il dit non, mais les comptes ne sont pas assez sûrs. Il faut vérifier, il faut être prudent. On verra l'année prochaine. C'est pour ça qu'on demande une rémunération, enfin une augmentation de salaire pour tous les agents et tous les salariés de plus de 450 euros. Des mesures de reconnaissance de la pénibilité, parce que les salariés, ils sont usés, ils sont fatigués, ils ne veulent plus aller à 62 ans ou à 63 ans pour la retraite. Et l'embauche des jeunes. L'embauche de tous les intérimaires et tous les CDD. Plus debout, c'est un moment où le débat d'idées, il faut qu'on débatte des idées et tout, ça c'est pas un problème. Mais bon, qui sait bien qu'ils viennent nous soutenir. Il y en a qui sont pas trop populaires, d'autres, les mouvements, il y a un peu de tout dedans et c'est qu'il y a pas, c'est pas géré aussi. C'est un peu tout et rien. Il y a du fric au 440, et ben faut qu'ils nous le donnent, faut qu'ils rentrent aux salariés.